Coucou tout le monde, comment ça va? Hop! Comment vous allez tout le monde? Tac! Et coucou! Comment ça va? Et aujourd'hui, nous allons tester Coral Island. Vous savez, mon accent anglais, il est pas mal, hein? Coucou Sigurd, comment ça va? Je suis très contente de pouvoir y jouer, enfin! Ça faisait depuis le mois de décembre que je voulais. Du coup, ça y est. Du coup, nouveau let's play, on va dire. Je vais faire une catégorie sur YouTube, pour celle-ci. Parce que du coup, on a terminé Howard Legacy officiellement. Et du coup, on a choisi Coral Island. Pour continuer, hein, les petits. Donc j'ai hâte. J'ai testé 5 minutes pour voir si ça marchait bien. Après, j'ai rien fait d'autre. Hein. Vraiment. Et on va recréer ensemble hein, la partie. Est-ce que je vous ai baissé le son? Oui, bien sûr. Toi, je suis forte aujourd'hui. Ok. Hop. Tac. Voilà. Comme ça, je me mets direct. Comme ça, vous voyez rien. Coucou Yo-Yo, comment ça va? Ça va tranquille, merci. Et toi? Mais ça va très bien. Quoi de neuf, tout le monde? Est-ce que vous êtes content qu'on teste ce petit jeu? Tac. Normalement, vous allez le voir comme par magie arriver. 1, 2, 3. C'est bon. Et ben voilà. Coucou Jason, comment ça va? Moi, ça va très bien. Coucou Nas! Comment ça va? Moi, je vais bien, merci. Et vous? Alors, ça, c'est pas moi, ça. Hein? Moi, je suis... Voilà, hein. Est-ce qu'on voulait qu'on me fasse? Ça va être drôle. Déjà, je suis extrêmement fine. Vraiment, c'est même trop. Alors, niveau coupe.
Attendez, moi j'ai des cheveux mi-longs, mais pas longs. Elles sont belles les coupes, par contre. Cette coupe, j'aime trop. Je suis des... Ah! J'ai un peu ça. Disons un peu ça, mais pas de cette couleur. Oh, on peut personnaliser. Oh, c'est beau. Attendez, moi je suis un orangé bizarre. On n'est pas en orangé là. C'est quoi ça? Ah, on l'a trouvé. Ah. Bon, on va se mettre comme ça. Ça fait du bronze bizarre. Ça va, hein? Ça commence bien. Tout va bien et toi, comment se sent-elle? Mais ça va très bien. Quoi de neuf? Ne t'inquiète pas, ne flippe pas, mais devine qui je suis. Hein? Comment ça, ne flippe pas? D'un coup, quand on me sort ça, je flippe. Je me dis, attendez, il y a un problème. C'est quoi ton prénom? C'est Jason? Ah, tu m'as fait peur! Ah, tu m'as fait peur! Hein. Non, mais je connaissais Jason avant! J'ai eu peur que c'était cette personne! Mais tu m'as fait peur, purée! Bah, merci beaucoup! Merci beaucoup de passer, comment ça va? Je t'ai dit, je n'ai pas peur! Bah, mais tu pouvais pas savoir! Et GG, yo-yo, pour les 40 streams, mais c'est beau! Attendez, j'ai quoi comme style de sourcils, moi? Ah, moi, ils sont pas épais, hein. Ah, pas pub. Eh ben, voilà. J'ai un peu ce genre de sourcils, là. Et de la couleur des cheveux. Excusez-moi. Les yeux. Les yeux, j'ai des yeux bleus. Mais j'ai des yeux assez petits. Mais bon, on va prendre ça. Et moi, c'est du bleu. Voilà, ah bah tiens, ça c'est vraiment ma couleur, ça c'est vraiment. C'est bien, pour le fond, on y arrive. Le nez. J'ai un petit nez. Ouais, un peu ça. C'est toi le fameux ami. Alors, qu'est-ce que cette diablerie de nouveauté de jeu? C'est Coral Island. Il est trop bien de ce que j'ai vu. Il me tentait trop. Ah, je souris tout le temps. C'est quoi? Oh non, non. Non, je reste comme ça, moi. Alors, je n'ai pas de... je n'ai pas de barbe, hein. Il n'y a qu'une seule personne qui a pensé que j'en avais une. C'était un dé. Voilà. Un dé, il a pensé que j'avais une barbichette comme ça. Non. La tenue. Du rose. C'est bon, Jason, t'as fini... c'est fini, Du coup, t'es un petit démon. Attendez, je vais mettre quoi? Oh, ça! J'aime bien le gris aussi. Oui, à l'instant. Eh ben, voilà! Comment vas-tu, sinon? Coucou, Abyss! Mais tu as une barbe sur ta grosse tête, là! Abyss, t'es chiant. Je te déteste. Le nom, comment on va l'appeler? Est-ce que vous avez une idée, le chat? J'aimerais bien un prénom de fleur, non? Bonjour à toi, Coca, ta chasseuse de pas. Osric, je le garde. Il est trop bien. Merci, je garde. Quel est le principe du coup, s'occuper d'une ferme ou un truc du genre? Alors, oui, situation de ferme. Après, je peux pas t'en dire davantage, Yo-Yo, je ne connais pas. J'ai très peu joué. J'ai joué 10 minutes. C'est tout, quoi. Je n'ai rien vu d'autre, quoi. Ça va nickel, un peu fatigué avec le taf, mais ça va. D'ailleurs, toi, tu travailles dans quoi? Parce que oui, bah, nous on t'entend derrière, mais moi, je sais rien de toi, moi. Coucou, Yannou, comment ça va? Du coup, je propose Pocahontas. Elle ressemble pas au Pocahontas, quand même. Un peu de respect. Pocahontas, c'est Pocahontas, hey. Attendez, Iris. En plus, je sais pas écrire. Iris, comme la fleur.
J'adore. Voilà, je vais juste l'appeler comme ça. Madame. C'est quoi MX? Mademoiselle, non? De base, ça se dit plus, mais... Nom de la ferme. Isabella, les yeux bleus. Quoi? En intérim, ok. Pas fort en ce moment, mais bon. Bah moi, ça va. Tu sais que je suis là si t'as besoin. La ferme. Et pas, je vous engueule, là, je vous dis juste le nom de la ferme. J'ai pas d'idée, là. Bon, bah, ça va être nul, hein, mais la ferme d'Iris. Merci, Avis, pour ton 15e mois, c'est beau. Allez, t'en as gueule, les pubs. Je te retiens avec les pubs. Avec tes pubs, toi. Merci beaucoup. Bon, allez, la ferme d'Iris. Terminé. Veux-tu vraiment crèche perso? Oui. Alors, je n'ai pas vu, là. Je suis pas dispo le 1er avril. Mais pas dispo. Et puis tout le mois d'avril, je suis en plein dans le... pour la Zidane, potentiellement. Voilà. Tu quittes Pokyo pour commencer une nouvelle vie sur Coral Island. D'accord. C'est où, Pokyo? Je dirais Tokyo, mais c'est pas Tokyo. Ah non, c'est comme ça. Ça commence mal. Non, Yo-Yo, je connaissais pas. Oh, il y a des dauphins. Il y a des pélicans. Ah, bonjour monsieur. Oh, c'est trop beau. Ah, il y a un chien là-bas. Il y a quelqu'un qui détient un coffre, d'accord. Bonjour, Connor. Alors, je crois que c'est pas un truc un peu... que ça vient de... du Japon. C'est pas quelqu'un qui travaille au Japon qui a fait ça. Bonjour Iris, content de te voir à Coral Island, ton nouveau chez-toi. Merci. Ça fait si longtemps Iris, c'est un plaisir de te revoir. Ah parce qu'on se connaît en plus. Je m'en rappelle pas, je vous connais pas monsieur, mais d'accord. Je me souviens même plus de la dernière fois qu'on a eu un visiteur ici. Ah, ça commence mal ça. Ça va dire bon, faut avoir un peu peur, hein. Mamie. C'est notre mamoun du chat, Abyss. J'espère que tu as fait un bon voyage avec monsieur Wataru. Wataru. Merci Meiling pour ton heure, comment ça va? J'espère que tu as fait un bon voyage. Oui, tout s'est passé à merveille. J'ai pas dégobillé, donc oui. Formidable, formidable. Je n'en attendais pas moins de monsieur Wataru. On peut pas rêver meilleur matelot. D'accord. Tu dois être épuisé après ce long voyage. Allons voir ta nouvelle maison. Alors, en fait, moi, je suis avec ma manette. J'ai capté que j'avais pas pris ma manette. Attendez. Hop là. C'est bon. Oh. Ah, bonjour monsieur. Joko. Bien, on a fini les sols. Dinda. Pourquoi ils l'ont appelé Dinda? Parce que ça fait dinde quand même, excusez-moi. Ah non, le bot est gentil maintenant. Ouais, les mots, c'est devenu la mamoune. Tu m'étonnes qu'il est heureux de te voir, dorénavant tu paieras tes impôts chez lui. Oh, c'est vrai qu'au pire, tu sais, tu vis chez moi en même temps, hein, comme ça on divise. Hein. Oh là là, quelle coïncidence. Dinda abuse. Excusez-moi, mais Dinda, j'avais jamais entendu parler de ce nom. Hein. On vient juste de finir la remise en ordre de cet endroit. C'est notre nouvelle arrivante. Arrivante, s'il vous plaît. J'ai une fille. Ah oui, Iris, voici Dinda et Joko. Les charpentiers de cette île. Ah. D'accord. Enchantée, Iris. Bonjour Iris, c'est toujours un plaisir d'accueillir de nouveaux résidents sur notre petite île. En même temps, vous n'en avez pas eu. Ça, c'est un dé quand je vais venir. Voilà. Ah, t'as vu, je vais te faire visiter quand? Je sais même pas s'il est là, mais s'il m'entend, il va rigoler.
Et vu que tu te moques de son prénom, elle te fera payer double. Ah, ça, c'est vrai, ça, j'avais pas pensé. Ah, Sigurd, t'es bien là, t'es un bon. Absolument, Iris, ceci sera ta nouvelle maison. Elle est un peu délabrée, mais... Pardon, Mère Connor, mais... Vous voulez dire qu'on a fait du mauvais travail, c'est ça? Ouhou, c'est pas moi qui l'ai dit, hein. Ok, pas de soucis, pas grave, on aura l'occasion de se voir. Je suis sur Paris vraiment d'ici fin de semaine. Je dois rentrer plus tôt, mais j'ai des soucis de rentrer avec Isama et pareil pour ma mère, plus souvent. Ouais, je comprends. Bagarre! Comment ça va, les mots? Est-ce que t'as dit beaucoup de mots aujourd'hui? Les mots, il va plus vouloir venir à cause de ça. Elle est pas contente. Hein? Non, pas du tout. Ah, mort de rire. Ne vous en faites pas, je plaisante. Malheureusement, pour l'instant, on ne peut que rafistoler le toit pour éviter les fuites et remplacer une partie du bois pourri. Si jamais tu veux faire plus de rénovation, tu peux passer à notre magasin et maison à Hillside, au nord-est d'ici. Putain, nord-est. C'est côté droite, ça. Je connais pas mon est et mon ouest. On fera ça gratuitement, mais tu devras nous amener les matériaux toi-même. Ah! Eh, pour une fois, c'est pas payant. Bon, par contre, faut que j'amène, mais c'est pas payant. Ça change. Une fois les fondations réparées, tu pourras décorer cette maison comme tu l'entends. Les blagues les plus courtes sont les meilleures, Miss Louvre. Tu vois les mots? Voilà. C'est comme ça qu'on s'entend bien. Je te rappelle que t'es pas venu à mon anniversaire, hein. Je n'oublie pas. On a mis des instructions dans ta boîte aux lettres. Allez, il est temps de rentrer. À bientôt, vous deux. Bonne chance et bon courage pour la suite, Iris. Au revoir. Au revoir. Ah, il chantonne. Comme tu peux le voir, tout le monde est enthousiasmé par ton arrivée ici. Et Sam l'est le plus. C'est qui, Sam? Ah non, la revoilà avec ça. Bon, en même temps, t'es pas venu. Tu m'as fait faux bond le jour de mon anniv. Je t'attendais, moi. Tu devrais aller lui rendre visite quand tu auras un peu de temps. C'est le propriétaire du magasin général de la ville. Ah. C'est pour avoir ma thune, c'est ça, hein. Monsieur, il voulait me voir. Coucou, Mandra, comment ça va? Pourquoi on bouffe à la fin? À boire. Ah, ça commence bien. Ah, ça commence bien ici. Mandra, t'as vu ma story d'hier sur Insta ou pas du tout? Je pense que ça aurait pu te plaire. Alors, qui? Moi? Oui, sur le réseau français. Pas si tu l'as vu. Ça me l'éprise. Non mais allez, bon. Voici le champ dans lequel j'imagine que tu vas passer la majorité de ton temps. J'ai vu le planning, c'est tout. Ah non, il y avait autre chose après. Ouais, il y avait autre chose. Bon bah, je t'écrirai en MP du coup. Parce que je pense que ça peut te plaire. J'avais pensé à toi au moment. Eh bah, c'est quoi ça? On dirait des chevaux. Oh! Mais c'est énorme. Je dois tout nettoyer. Il n'est pas dans le meilleur des états pour l'instant, mais je suis sûre que tu vas le restaurer, on n'a rien de temps. Ah ouais, je pense pas. Hein. Ah, il n'y est plus. Non, il n'y est plus. C'est pour ça. Ouais, pas de souci, avec plaisir. Ouais. Hein, parce que je pense que ça pourrait te plaire. Moi aussi, je peux faire des blagues nulles. Mais vas-y, continue. Une fois tes moissons récupérées, tu peux les mettre dans ce bac d'expédition avec tout ce que tu as d'autre à vendre. Ça fait penser à Stardew Valley, non? Le contenu sera envoyé au magasin adéquat en ville et tu recevras tes profits le jour suivant. Bah ça va très bien et toi? Ça se passe bien au boulot? Bon, je vais te laisser te reposer un peu maintenant. Ah, comme tu viens d'arriver, j'imagine que tu n'as pas encore de quoi commencer à travailler. Voici un petit cadeau de la part de toute la ville. Un arrosoir! Génial! Ah non, ah c'est tout!
Tu as reçu un arrosoir, une hache, une faucille et quelques graines aléatoires. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit d'autre, je suis là. N'hésite pas à venir me voir si tu as des problèmes, des questions ou du bon saké. Bienvenue chez toi, Iris. Ça va nickel, yeah. Alors, raconte-moi, t'as des news? Oh, c'est moche. Début de nouvelle quête. Planter des graines, arroser des graines. Tu as un noyau. Je sais rien, je sais pas du tout les mots. Alors, attends, j'ai un truc à la boîte aux lettres. Iris, afin de réparer ta maison, il va falloir que tu fasses le plein de matériaux. Récupère 50 unités de bois et 20 unités de pierre, ça devrait faire l'affaire. Une fois que tu auras récupéré ces objets, rends-toi chez le charpentier, passe commande au comptoir pour qu'on puisse commencer les travaux. Les réparations seront terminées le jour même. Bon, gros, t'as un coup de cher, oh, ça fait mal, hein. Coucou, Foufi. Comment ça va? Oh, il a l'air mignon, ce jeu. Franchement, je le commence et il est trop mignon. Pour faire pousser tes cultures, commence par enlever le débris. Les débris sur le terrain. Attends, RT, c'est ça. Appuie sur X tout en t'équipant d'une faucille, pioche ou hache. Ensuite, équipe-toi de la houe pour labourer. Ensuite, équipe-toi d'un sac de graines. Termine en équipant ton arrosoir. Les cultures doivent être arrosées quotidiennement jusqu'à la récolte. Oh, ça va? Ça va, en vrai, c'est assez facile, hein? Ouais? Coucou, ma copine! Coucou, Atéris, comment ça va, ma belle? Comment vous allez, tout le monde? Moi, ça va très bien, et toi? On dirait Stardew Valley version Palia. Alors, je dirais plus Stardew Valley. Mais après, je ne connais pas, j'ai jamais joué. Attends. Ah, c'est comme ça. Attends. Oh, c'est compliqué. Comment on fait? Là. Ah, pas le bon. Attends. Voilà. Ok. Ah, ça prend comme ça. D'accord. Attends, faut nettoyer. Du coup, ah, c'est en haut mon énergie. C'est bien. Là, vraiment, vous voyez rien de derrière moi, il n'y a rien. C'est juste un truc avec un R. Je sais pas ce que c'est. Ça va et toi? Mais ça va très bien. Quoi de neuf? Quoi de neuf, ma copine d'amour? Animal Crossing un peu, non? Bon, après, je viens de débarquer, donc bon. En vrai, ouais, c'est un peu. Mais c'est aussi un peu différent quand même. J'aime bien pour le moment. J'aime bien. Après, on va voir. Dans tous les cas, ça va être le nouveau let's play de... jusqu'à potentiellement la Zilan. Donc, on a le temps, hein. Ça va être le jeu deux fois par semaine. Si j'aime bien. Pour le moment, j'aime bien. Puis c'est assez facile, les commandes. Donc, ça va. On peut faire ça? Ah oui! Ah, du coup, c'est là-bas, le bois. Ah, il y en a quatre. C'est tout? Nanana. Bon, moi, je file à la CS. Bon live à toi et profitez bien le chat. Merci beaucoup, des bisous, Jason. Merci d'être passé. Non, je t'écoute pas. du coup, ils ont demandé de labourer. C'est ça? Un... 2, 3. Eh, c'est pas facile hein, d'être bien droite. Hein. Non, Attends, j'ai pas lu. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, flemme. Hein. Ah, du compost. J'ai eu du compost. C'est pas mal. Et du coup, faut que je mette des graines. Je vais mettre ça. Et des graines de quoi? Je connais même pas de nom. Je vois même pas de tête ce que c'est. Des oignons, non? Ça ressemble à des oignons, mais en même temps, ça ressemble pas à des oignons. Tac. Ah! Il me manque une. Bon, bah du coup, une fleur. Ah! Ok, et du coup, maintenant, il faut que j'arrose. Comment on remet de l'eau, d'ailleurs? Des oignons, on va dire. Bah, ça ressemble à des oignons, non? Sinon, peut-être que je suis débile aussi, hein.
Ouais, c'est pas facile hein, de se mettre bien droite. Hein. Ah! C'est bon. Je sais pas si c'est plus facile. Ok. Comment on fait pour prendre? C'est déjà pris? Ah non, c'est ça. Ah! Visiter le bazar de Sam. C'est où? À travers la betterave est en guédichou. Attends, il n'y a pas une carte? Ah! Oula! Mais c'est énorme. Là, il y a des habitants. Centre communautaire. Je dois aller voir quoi, moi? C'est qui, Sam? Bah voilà, merci. Clinique. Bazar de Sam, c'est là. Donc, tout droit. Et c'est ici. Donc, tout droit. Par là. C'est bien, Foufi, elle a pensé. Elle s'est dit, attends, je vais lui dire pareil parce qu'elle va encore oublier. C'est vrai. Attends, là, c'est où? C'est pas là? Oh! Il y a des chiens! Bonjour! On peut lui parler. Oh, Alice! Oh, elle est belle! Est-ce que c'est toi, Iris? Waouh, j'ai failli ne pas te reconnaître dans cet accoutrement. Bon, ça va, quand même, hein? Okay. Oh, alors c'est toi qui emménages dans le lotissement, hein? Ça expliquerait ta tenue. Mais ça suffit avec ma tenue! Ça va, elle est pas moche! J'ai rencontré Alice. Je sais pas si je dois faire ça maintenant, mais je fais. Ah, hey, c'est qui? Eva! Trop mignonne aussi! Ah, comment elle m'a jugé sévère! Oh, ravie de te rencontrer aussi! Je m'appelle Everest! C'est quoi ses prénoms? Eva, je veux bien, mais Everest, hein? Eva, pour faire court. D'accord. Bonjour, Everest. Je vais t'appeler Everest, hein, parce que tu t'appelles Everest. C'est trop mignon! Nos qui veulent la monter, c'est ça! Regardez, mais en vrai, ils sont bien faits, hein? Attendez, c'est où, moi, du coup? Ah! Sam! C'est là. Comment on rentre? Ah! Iris comme ma costume. Oui, mais j'aime trop le prénom Iris à Thierry's, c'est un truc de dingue. Tu peux lui dire, hein. Tu peux lui dire à Iris, mais j'aime trop. Nom est vrai, prénom mon. Hé hey Iris, je savais que tu finirais par te frayer un chemin jusqu'ici. Oui, bah vous auriez pas pu me donner notre carte, plus facile. Je voulais te présenter personnellement le propriétaire de ce magasin. Voici Sam, il dirige cet établissement depuis un petit bout de temps maintenant. Je dirais, c'est encore plus gentil vendredi. Bonjour Iris, c'est un plaisir de faire ta connaissance. Bienvenue au bazar. Ici, tu trouveras presque tout ce qu'il te faut pour tes besoins agricoles. La moula. Voilà. Pour ça qu'il me voulait, lui. La moula. La plupart des graines que je vends sont cependant saisonnières. Ne l'oublie pas. Ouais, ça fait, en fait, c'est Stardew Valley en version un peu plus beau, quoi. Si tu as besoin d'aide, pousse un cri. Je serai du côté de la caisse enregistreuse. Même chez moi? Eh bien, c'est très gentil, Sam, n'est-ce pas? Tu pourrais enfin légèrement réduire ton stock de graines. Ah! Ah! Ça doit faire longtemps qu'elles doivent être là-bas, hein? Oh! Ah, et là, il fait la gueule. Bref, avant que tu ne partes, Iris, ton arrivée dans notre petit coin de paradis était assez inattendue. Je suis sûre que beaucoup de gens sont stressés, enfin plutôt curieux de voir qui a élu domicile à la ferme. Ah bah ça se voit, hein, Alice, elle a jugé mes vêtements, et Everest, bah, c'est son prénom quoi. Pourquoi ne pas leur couper l'herbe sous le pied et te présenter aux gens de la ville? Ah voilà, fallait pas faire avant. Je sais pas ça a combien compté. Vous imaginez si c'est pas compté? Ah si, j'ai 6 sur 30. MDR, tu me tues, Miss. Eh, hey, je t'ai dit, il faut venir me voir sur ce jeu. Bonjour, monsieur, vous êtes qui, vous? Ben. Oh, un nouveau visage. Je ressens de vraies bonnes vibrations venant de toi. Ah bah merci, c'est gentil. Ça par contre, ça c'est gentil, ça. Alors, du coup, lui,
Bonjour Iris, c'est super de te voir ici. Tu cherches les graines les plus rentables? Ah, c'est quoi là? Ah, c'est beau, hein? Pourquoi il a un flamant rose? Et en même temps, je rigole toute seule. Ah bah ça... Oh! Tu n'es pas assez proche de Sam. Il va avoir un bébé? D'accord. En fait, faut draguer Sam, ouais, du coup, ce que je comprends. Bah attends, du coup, faut draguer tout le monde. Est-ce que... Attends, il y a une porte, là. Ah, on peut pas rentrer. Attends, hé. J'espère qu'il faut pas draguer tout le monde. Faut faire la faux cul auprès d'Alice. Ah, j'espère pas. Oh, il y a un chien, il y a un caniche. Bonjour. Tu appelles Bonbon une boule de poils choupi. Ce surnom a l'air de lui plaire. Ah, bah, tu as précisé qu'il s'appelle Bonbon. Et bah d'accord, hein. C'est quoi ça? Interagir. Calendrier. Anniversaire. Purée. Il y a les anniversaires, il y a tout. C'est vraiment Stardew Valley en version plus beau. Et tu as trouvé où? Je l'ai acheté sur Steam directement. Ça faisait 3 mois que je le voulais totalement tout le temps. Et je l'ai acheté. Ah, du coup, il faut que je récolte ma première culture. Récolter. C'est où mais... Ah non, c'est pas là. Attends. Ah. Ah voilà. Ah si, il y a des relations. Alors, je crois qu'il avait coûté 13 euros quand je l'ai acheté. Je l'ai acheté il y a une semaine maintenant. Là, maintenant, je sais pas il a combien parce que du coup, il a augmenté. Mais ça a l'air d'être trop bien le jeu. Oh, bonjour madame. Yuri. Ah, bah c'est une vétérinaire, non? Ou un médecin? Une infirmière? J'adore Cocotton. Je connais pas du tout Foufi. Est-ce que tu pourrais me l'écrire en privé pour que je puisse après le mettre dans la wishlist, s'il te plaît? Ah, Iris! Tu es Iris. Iris? Alors, Iris, une fois, oui. Enchantée de faire enfin ta connaissance. Ah. Sur Didi, s'il te plaît, ça m'arrangerait. Merci! Mais attends, elle me court toujours de boutons. C'est où mes quêtes? Ah, c'est là. Du 109. Ah si, faut le faire. Oula. Attends, du coup, je cherche du monde. Ah, il y a un chat. Oh, attends, il y a un monsieur. Attends. Noah. Tiens, salut, pour être honnête, tu ne ressembles pas à l'idée que je me faisais de toi. Pourquoi ils sont pas sympas, les gens? D'accord. Bonjour, Noah. Merci, pas gentil. Hein. Joli minou. Il s'appelle Beurre. Ouais, trop mignon. Attends, clinique. Bonjour monsieur. Charles. Ah bah il est pas mal lui en vrai. Tu peux les virer. Eh bien, bonjour à toi. Ah tu... le printemps, pas le meilleur moment pour emménager ici. Ah, il est allergique à... Ah putain, comment ça s'appelait déjà? C'est beau, hein? Franchement, c'est magnifique, quand même. Ah, mais attends, du coup. Là, c'est le médecin. Là, c'est le vétérinaire. Eh, c'est trop bien fait, les gars. Eh, fallait avoir une bonne idée. Une très bonne idée pour faire ça. Et ils ont fait les deux ensemble. C'est tellement mieux. Ok. Les étagères sont trop belles, mais moi j'aime trop. Vraiment, le jeu il est magnifique. Fermeture le lundi et samedi. On est quel jour? Ah oui, on est lundi. Purée, c'est trop bien. Ah, à vendre. Attends, inspecter. Là. C'est à louer. Ah non, à louer. Oui, bon, à vendre, à louer, pareil. Hein. Ok. Ah, il fait du yoga. Eh, vraiment, ils ont tous un aspect de vie. Bonjour. Ah, vous êtes à ma place.
Bah, vous êtes un peu au-dessus, mais c'est pas grave. Hein. Cacahuète. Pourquoi Cacahuète est aussi mignon? C'est un grand mystère. Parce que c'est un chat. Voilà. C'est mignon, un chat. La taverne. Ça, faut peut-être y aller la nuit, la soirée. Bonjour, madame. Coucou, Kiwi, comment ça va? Moi, ça va très bien, et toi? Quoi de neuf? Putain, c'était un mec. J'ai dit madame. Oh là là. Bonjour, Franck. Waouh, regardez qui voilà. C'est toi qui reprends la ferme, c'est ça? Moi, c'est Franck. Pour une fois, lui, il est gentil. Y a rien qui va dans ce jeu. Par contre, vraiment, les décors, ils sont dingues. Je... Magnifique. Regardez, il y a tout. Vu que je suis au taf. Oh, mais merci beaucoup. J'espère que ça se passe bien au taf. Mais merci de passer, c'est super gentil. Eh, purée, on peut vraiment aller chez les gens. Mais c'est vraiment, par contre... Ouais, mais en fait, les gens qui sont what the fuck, eh ben, en vrai, c'est pas mal, c'est drôle. Du coup, on peut pas aller dans les chambres. Mais oui, voilà. Noah? Ah, je sais pas. Ah, donc tant que t'as pas parlé, tu sais pas à qui sont les chambres. Ça, c'est pas mal aussi. Bah écoute, ouais, ça se passe bien. Oh, bonjour! Ah. Attends, il y a madame et il y a madame. Betty! Oh, elle est toute mignonne! Quel plaisir de voir un nouveau visage ici. Tu peux m'appeler Betty, mon enfant. Oh, elle est trop chou, elle. Oh, je l'aime bien. C'est failli la découper en deux. Macy? Macy? Bonjour à toi, je m'appelle Macy. Je vais l'appeler Macy, hein. D'où viens-tu? C'est sympa d'avoir enfin quelqu'un qui fait du tourisme en ville. Alors, je fais pas du tourisme, je vis ici maintenant. Elle m'a encore manqué de respect. Et toi, du coup, toi, je peux pas te parler. Mais vous êtes à ma place, hé, hé. Tu te calmes? Ça a l'air confortable. Assis-toi. Ah, Charles, il mangeait là-bas. Eh, je me rappelle de Charles, c'est bien. Ah, on est en pleine nuit. C'est trop beau, en pleine... Ah, bonjour. Attends, voilà. Alia, Alia. Oh, bonjour, on ne se connaît pas encore, je crois. Non, mais bonjour. Lui, je... Ah oui, c'est Joko. Il y a tant de choses que nous pouvons transmettre à nos enfants. Les petites choses que nous faisons en tant que parents peuvent devenir une habitude pour eux. Ça, c'est mignon, ça. Par contre, c'est assez bien fait quand même. Ah, on peut... Ah non. Attends, c'est des tables où tu peux manger là-dessus? C'est trop bien. Mais ils sont dans le futur, les gens. Attends, je retourne. Parce que je pense que ça, faut y aller le soir. Je pense qu'il va y avoir de plus en plus de monde, petit à petit. Je regarderai bien si elle est dispo sur Switch. Ah, ça, en vrai, je n'en sais absolument rien. Je sais qu'il est sur Steam. Mais par contre, il a l'air vraiment d'être super bien. Attendez, j'attends un petit peu. Oh! Ah, du coup, elle vit ici. Du coup, donc, celle-ci, c'est la chambre à Noah. Celle-ci, à Betty. Ouais, du coup, on peut rien voir. Alia, donc c'est la fille. Et là... Ah, bah là, je peux rentrer. Pourquoi il y a des bouteilles de vin? Et vraiment, on peut aller chez les gens. Je m'appelle Alia. Tu viens de me bloquer, merci. Et du coup, donc là, j'ai fait en sorte qu'on était amis. Non? Alia, solo. Pourquoi solo? Solo, solo. C'est ceux qui... où on peut être en couple? Oh putain, il y a Alice. Ah oui, bah oui, oui. Ah, il y a des... Attends, il y a des tue l'amour aussi. Il y a des... Ah, ah! Ce jeu, il est trop bien fait. Eh, Foufi, je suis sûre que tu vas l'aimer. Vraiment, je suis sûre à 100%, c'est trop ton style. Ah, je crois qu'en plus, c'est pas un jeu indépendant de base. Bon, attendez, on va ressortir parce que je... Lui, on lui a parlé. Ah oui, Beurre. Miaou. Oh, bonjour. Attends. Oh, bah, pu... Si. Bon, je rentre chez moi. Non, parce que de base, faut que je parle à des gens. Monsieur. D'accord. En fait, je peux même pas parler. Là, c'est quoi? C'est la mairie? Ah, on peut rentrer dans la mairie. Centre-ville.
Ah, c'est pas la Marie, ça. Jack, tu peux m'appeler Jack. Je gère le ranch du coin. Oh, ton terrain a beaucoup d'espace pour élever du bétail. Une fois que tu auras fini de t'installer, nous pourrons peut-être discuter élevage. Ah, ça, c'est gentil, ça. Merci. Bonjour, Théo. Ah oui, j'ai entendu parler de toi. Tu viens de San Francisco. De San Francisco. Et tu te lances dans l'agriculture, c'est ça? San Francisco. Ah, ça me fume. Ah, c'est bien joué. Ah, j'aime bien. Ah, c'est ça, Pocchio. Je m'appelle Théo. Merci beaucoup. Hein, ah, il part. Mais c'est quoi tout ça? Ça fait vraiment Japon. C'est... Mais moi, je suis in love du Japon. Mais ça fait vraiment Japon. Attends, il y a des fauteuils roulants? Oh, il y en a une! 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 Non! Non! Ah, c'est là où il y a tous les animaux! Purée! Et c'est là où on peut sortir. T'as déjà été? Où? San Francisco ou Tokyo, quelque sorte. C'est quoi ça? C'est une bibliothèque? Ah oui, bibliothèque. Japon. Non, je suis jamais allée. Par contre, je veux trop y aller un jour. Je veux trop y aller. Surtout pendant la période des cerisiers. Attends, je pense qu'il faut que j'aille aller me coucher. Si ça fait comme ça d'où va aller, faut que je rentre, sinon je perds quelque chose, non? Par contre, il n'y a pas de temps. Pas de temps d'attente. Ça, c'est bien, ça. Je crois que j'habitais là, non? Oh, bah, plus. De même. Ah oui, c'est là, j'habite. Du coup, là, ça va. Bon, bah, on va aller dormir. Ouais, j'aimerais trop pendant le temps des cerisiers. Allez dormir. On va aller dodo. D'ailleurs, j'ai gagné combien? Donc, j'ai 300. 300 chorales, je vais appeler ça. Sauvegarde en cours, ok, donc ça sauvegarde totalement. Ça, c'est bien ça. Allez, 6 heures. Oh, ça commence. Hop. Après, on va nettoyer un peu. Ah, j'ai fait ça au mauvais endroit. Ah! Voilà. En plus, du coup, je perds de l'eau bêtement. Voilà. On va y arriver. Hop là. Ça, c'est rangé. Je vais enlever ça. Parce que ça m'énerve. Ça. Voilà. Du coup, j'ai de la pierre. Ok. Est-ce que ça peut se casser les armes? C'est possible, hein? Je sais pas, dans Stardew Valley, est-ce que ça peut se casser? J'ai jamais joué à Stardew Valley. Je ne sais absolument pas. Attends, je vois rien à cause de ce... Ah non, c'est pas ça, c'est ça. Quand tu fais ça, là? Dans Animal Crossing, ça se casse, en tout cas. Ouais, ça, oui. Mais là, c'est plus un peu Stardew Valley, je pense. Il a demandé de la pierre et du bois. On va se concentrer sur ça. Là, on dirait que ça se casse pas. Il n'y a pas de truc à côté comme l'arrosoir. Attends, je range. De la fibre. Ah. Par contre, il n'y en a pas partout de la fibre. Hop. Alors, la pioche. Ça va, en vrai, on a quand même pas mal d'énergie pour faire. Ça, c'est cool. Hop là. Ok. Comme ça, du coup, on fait en sorte que ça soit un peu plus beau, là. Parce que c'est quand même petit, hein. Franchement, cette arme, il m'énerve parce qu'on voit rien. Et ça va vite, hein.
Non? Ah bah voilà! Re, c'est mieux sur PC. Yeah! Ah si, c'est bon. Eh, c'est long quand même. Voilà. Oh, il est tout petit, lui. Oh, moi, je vais le garder, lui. C'est un petit chance, ça, pour le moment, ouais. Et parce que j'ai pas d'autres choses pour le moment. Hop, après, on va faire la... Ok. C'est trop mignon. Heureux, Osrek. Du coup, on a besoin de la pierre. Dans tous les cas, faut avancer. Tac. Ok. C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est, on dirait des morceaux de plastique. Coucou ma copine! Comment ça va ma belle? La petite sakura d'amour. Pas trop avancé non plus car l'énergie descend. Ça c'est vrai. Mais ça y est, t'es bon. Du coup, je dois aller voir le charpentier. C'est où le charpentier? On nous a pas dit où c'était. Ah, il vit là, Ben! Il vit juste. Ah, il y a quelqu'un là. C'est énorme! Maison de Jack. Jack, on l'a vu, non? Attends, c'est où? Ah! Charpentier! C'est là. Attends, on va monter par là. Bon, par contre, voilà. Ok. Il y a des côtes-côtes! Il y a un lama! Ah, bonjour, monsieur! C'est toi, Iris? J'ai entendu parler de toi. J'ai aussi entendu dire que tu cherchais un peu d'air frais loin de la ville. C'est vrai? Lui, il est gentil. Du coup, lui, c'est chez toi? Non. Oh! C'est trop mignon! Oh, oh j'aime! Oh, j'aime ce jeu. Ah, du coup, non, il vit là. Attends, du coup, c'était où, mon charpentier? Parce que je suis arrivée et ça va être fermé comme par hasard. C'est quoi ça? Moissonner? Bof, bof, et toi? Oh, que se passe-tu, ma belle? Moi, ça va. Ah, c'est là, charpentier, non? Carpenter. Charpentier. Si on te demande, pas sur Switch, mais sur Xbox et Play. Ok. Merci beaucoup. Bonjour. J'ai trouvé du wasabi tout à l'heure. Est-ce que c'est la saison? Ah. Du coup, attends, faut aller là. Magasin, charpentier, charpentier, grange, écurie, puits, moulin, silo, étang à poisson, maison pour insectes, abri. Hein? Réparer ta maison, c'est où ça? Amélioration de ma maison. C'est ça. Ah, attends, on peut choisir. On peut choisir. Tu vas chez Mario. Je pense à mon papa. Moi, si t'as besoin, je suis là, ma belle. Hein. Oh, cette maison, elle est pas mal. Ça fait maison moderne. Maison de plage. Ah, je sais plus celle-ci, moi. Non? Moi, j'aime bien celle-ci. Allez. Génial, merci. Je m'en occupe tout de suite. Yeah! Me dis pas que c'est fini déjà. Joko, mon chéri, changement de programme. Iris est ici avec tous les matériaux de construction. Allons à la ferme et réparons la cabane d'Iris. De Iris, alors c'est d'Iris, mais bon. Ah. Waouh, c'est incroyable, Iris. Ok, allons-y. Attends, ils y vont. Ah oui, moi aussi j'y vais. Moi, je voulais visiter votre maison. Pendant que vous étiez pas là. Dinda et John et Joko se mettent à préparer votre maison. Qu'est-ce que tu en dis? C'est déjà plus confortable, non? Maintenant, déplaçons tout ça et aide-moi à mettre tes affaires à l'intérieur. Bon, j'ai pas grand-chose, hein. J'ai qu'un lit. Oh! Ah si, en fait, ils mettent tous mes trucs!
trop mignon. Oh, sur le tapis. Ah, assez lourd. Par contre, j'ai une télé ici alors que je peux... Très bien. Fou, cette vieillerie était vraiment très lourde. C'était une télé, hein, oui. On a terminé. Qu'est-ce que tu en dis, Iris? Tu regardes du temps que dure la garantie. Ça a l'air tout neuf, merci. Vraiment, je pense qu'on peut faire encore mieux. Regarde, fini le bois moisi. On a tout remplacé et on a aussi construit de nouvelles fondations pour la maison. Ça veut dire qu'elle est assez solide pour avoir plus de meubles maintenant. Tu peux commencer à décorer pour être plus à l'aise. Et en parlant de ça, on a un magasin de meubles en ville. Ah bah voilà, en plus hein. Jusqu'au manger, je efficace le charpentier, il a détruit la baraque, rabattu et fait installation de cacumi. Eh, c'est ça, mais c'est trop bien. Mais on vend beaucoup moins de choses que depuis que le nombre de touristes a diminué. Les acheteurs ont disparu, quoi. On dirait des persos d'Atlantide de Disney, c'est vrai. Mais viens donc y faire un tour, tu y trouveras peut-être quelque chose d'intéressant. Si tu veux, on peut y aller tous deux. C'est bon, ça suffit, tu vas l'effrayer. Ah, pardon, Iris. Je me suis un peu laissée emporter. On adore notre magasin. On a même des cousins. Des cousins qui y travaillent. C'est une affaire familiale. Ah. N'hésite pas à venir y faire un tour quand tu auras le temps, Iris. Il est au centre de la ville. Tu n'auras pas de mal à le trouver. Ah, j'y étais et j'ai pas vu. Hein. Bien, c'est tout pour... Tu n'as rien oublié, chérie? Hey. Ah oui! La télé! Qu'est-ce qu'il va faire? Pourquoi ça parle en anglais d'un coup? We flew in a TV for your Iris free of charge. D'accord. Elle est vieille et un peu encombrante, mais fonctionne parfaitement bien. J'ai pas compris pourquoi l'anglais, mais c'est pas grave. Ton accent. J'ai un accent pourri. Aviré. J'ai un accent américain que les gens comprennent pas. Et elle reçoit plein de chaînes aussi, comme la télé, mais t'es... Elle marche plus. Ah si. Enfin, parfois, il faut lui taper dessus à un angle de 60 degrés, comme ça. Et il y a plein de chaînes très utiles, hein. Comme le bulletin de la chaîne météo, ça te permet d'éviter d'arroser les jours de pluie et de plutôt aller à la pêche ou un truc comme ça. Ah, on va pouvoir faire de la pêche. Ouais, donc en fait, c'est Stardew Valley, mais en plus beau. Tout à l'heure, un Australien est venu sur mon live PTDR, j'ai commencé à parler French, c'était incroyable. Mais vas-y, j'ai même pas vu ton live. Mais c'est, qu'est-ce que je foutais, moi, encore? Je sais pas ce que tu fais dans ton temps libre, mais tu vois ce que je veux dire. Je comprends pas, c'est normal, je travaille. T'inquiète, ma copine. Il y a des émissions de divertissement aussi. J'en suis fan. Certaines émissions ont même des conseils super utiles, si tu écoutes bien. Bon, c'est tout pour l'instant. Alors, au revoir, Iris. À bientôt, Iris. N'oublie pas le magasin de meubles, hein. Ok. Là, tu veux vraiment que je paye. Sauf que là, j'ai pas d'argent. Ta maison vient de s'agrandir. Yeah! Ouvre le journal pour récupérer la récompense. Eh ben voilà! Attends, c'est où ça? C'est là? Ah oui, Clay. Attends, voilà. Ah, du coup, maintenant, c'est mis en achevé. C'est bien, achevé. Ah, bah, je suis à 20 sur 30, ça va? Et là, il faut que j'attende. Non, en vrai, je suis in love du jeu. Elle est trop belle, ma maison. Du coup, attendez, on va remonter. Je vais aller un peu visiter. Alors, ici, il y a quoi? Ah, Ben! Être entourée d'animaux me rend heureux. Surtout cet adorable petit canard. Ben, c'est pas le petit canard... Oh, il y a un pont! Et, oh, ben, par contre, on peut marcher dessus. Inspecter. Tu n'as pas la clé de cet abri, c'est bien normal, c'était pas ton ranch. Mais c'est fait engueuler. Ah, ah si, si, vraiment, il joue, hein, avec. Ah, du coup, je vais aller visiter là. De même que Sakura. Bonjour, monsieur. Je pense que je vais faire une petite sieste après ton départ. Ah, parce que je t'emmerde. Ah, par contre, là, on peut aller vers ton lit, quoi. C'est, oui. C'est trop mignon. Vraiment, c'est le petit ranch.
Mais il n'y a pas de chevaux? Il n'y a pas de chevaux dans le jeu? Il manque des chevaux là. Ok. Et du coup, par contre, on peut pas sauter. Il y a quoi là? D'accord. J'arrive dans un endroit. Pourquoi un truc de sorcière là? Oh! Un magasin. Pourquoi on voit pas les personnes? Je cherche une dizaine de personnes en plus. Ah, et là, il y a quelqu'un. Il y a une maison là. Maison de bain? C'est bien ça que j'ai lu? Avec la musique. Ah, c'est un hôtel en fait. Tu sais pas à qui appartient cette chambre? Ah bah attends, donc en fait, celle-ci, elle est à personne? Ah mais attends, il y a vraiment les... Attends, comment on rentre là? C'est trop beau. Ah mais parce que c'est fermé. Sympa en vrai. Non mais vraiment, ce jeu, il est trop mignon. Ah du coup, on peut remonter. Là, c'est chez qui là? Franchement, c'est magnifique. Observatoire. C'est ça? Oh! Ah, je suis choquée. Je suis choquée du décor. Je suis choquée de tout. C'est trop beau. C'est pas à qui appartient cette chambre. Mais c'est dingue. C'est quoi ça? Je sais pas non plus. Je vais préparer mon lait. Je garde un œil ouvert. Merci beaucoup. Ah, il y a quelqu'un. Waku. Iris, c'est bien comme ça qu'on dit. Moi, c'est Waku. Enchantée de te rencontrer. Papa m'a parlé de toi. C'est lui qui pilotait le bateau poulet. Ah! Monsieur Wataru. Oui, celui avec le chapeau. Lui, il est sympa, lui. Mais du coup. Du coup, son papa, il vit ici aussi. Du coup, maintenant, il y a une de ses chambres qui est à lui. Ah là, elle est là, sa chambre. Non, du coup, en fait, son père ne vit pas là. D'accord. Et il est vraiment beau. Mais moi, j'aime trop. Ok. Ah! Bonjour monsieur. Takeba. C'est toi Taro? Ah non, non. Oh. Ah bah lui, il ne veut pas. Ah. Ah, on peut prendre des papillons, tout ça. J'aime trop. Vraiment là, je passe à via des... Attends, il y a ça. Bah, c'est pas possible. Une école! Non mais, il y a tout dedans. En fait, c'est les Sims en version où il y a tout. Non mais. Coucou Titus, comment ça va? Mais c'est trop mignon. Du coup, il y a des enfants alors. Pour le moment, j'en ai pas vu. Alors, Dinda et Iris sont les meilleures amies du monde. Pas vraiment de base, mais si tu veux. Emma! La rumeur disait donc vrai, bienvenue en ville. On a eu un nouveau scientifique en ville le mois dernier aussi, j'ai oublié son nom. Waku là? Bref, j'espère que tu vas te plaire ici. Merci beaucoup. Merci Nesca pour ton lurk, comment ça va? Ça va super bien, yeah! Quoi de neuf? Mais c'est trop mignon. Là vraiment, j'essaye de... Ils ont même fait un parc. Ils ont pensé à tout. C'est quoi là? Forgeron. Il y a même un forgeron. Bonjour. Raphaël. Oh, salut. Ceci était assez vite, hein. Raphaël, ça c'est sa chambre. Là c'est la chambre de... Je ne sais pas. Purée, il va falloir que je me rappelle de tout le monde. Ça va être compliqué hein, de m'en rappeler. C'est grand chez toi, dis donc. Dans le jeu, ouais. Dans la vraie vie aussi. Attends, faut que j'arrive à retrouver comment sortir de là. Par là.
Non, mais... Derek! Oh, salut, comment ça va? Ça va très bien, merci. Qu'est-ce que vous faites? Le copain! Le printemps est la saison que je préfère le moins à cause de, vous savez, des impôts. J'aurais dit le pollen, mais d'accord, c'est bien aussi. Ah, hein. Oh, monsieur, c'est qui? Surya! Ah, c'est toi, Iris! Mon oncle Joko m'a parlé de toi, le charpentier. Ah! Tu ne vois pas? Grand avec une moustache. Si, si, je vois, lui c'est le seul que je me rappelle. Sympa, les gaz nocifs diffusés dans la fond. Durant la fonte des lingots et la chaleur du feu. C'est cool, hey, franchement, il y a du monde. Du vin. Bah attends, par contre, je me suis paumée. Je suis où ici, moi? Ah! Ah, ça, c'est dégueulasse, ça. Ah ouais, vraiment, par contre, je me suis paumée. Attends. Je suis ici. La maison, elle est où? Eh, ah! Faut que je continue. Faut que je continue un petit peu. Ah, le charpentier, oui. Du coup, je redescends par là. Ah, bah non, je redescends pas par là. Ah oui, du coup, il vit là. Ah bah, je peux pas. Attendez, je vais essayer de retrouver mon chemin. Ah, bonjour, monsieur. Ah, j'ai pris quelque chose. Bon, bah non, je peux pas te parler. Ah non, c'est pas ici non plus. Coucou, Indé, comment ça va? Moi, ça va très bien. Quoi de neuf? Ah voilà, c'est là, c'est chez moi, ça. Ah, j'aime trop ma maison. Du coup, bah, j'attends. En fait, là, j'attends vraiment mes cultures. Hein. J'attends rien d'autre. C'est mes cultures. Récolte. Et il me manque 3. Classe ta maison. Hey, j'aime trop un dé. J'aime trop ce jeu. Vraiment, un dé, tu vas l'aimer. Je connais trop tes goûts que tu vas aimer. Allez, on va, dodo. Allez, si elle est perdue, elle est là. Comment ça? Qu'est-ce qu'elle. Ben non, elle est pas. Pourquoi elle est plus là? Alicia, ça ta chambre? Oui bon hein, s'il vous plaît un peu de respect. Et voilà, elle est là la petite mamoune. Bah voilà, vous inquiétez pas, elle était bien vivante. Ouais bah ça c'est ma petite chambre avec une télé qui. Yeah! Ah ça mouille, c'est la fête à la grenouille. Bonjour Iris, tu cherches un moyen de passer le temps? Tu pourrais peut-être gagner des pièces supplémentaires pendant que tes cultures poussent. N'en dis pas plus. Viens nous voir, Eleanor et moi, au cabanon balnéaire. Nous avons les cadeaux de bienvenue idéaux pour toi. Sunny et Eleanor. Je vois même pas qui c'est. Pourquoi Iris? Je suis in love du prénom Iris. Vraiment, toute ma vie ce prénom. Ah, du coup, il y a... Mais c'est trop mignon! Ah, on peut pas passer, d'accord. Ouais, je suis in love de ce prénom. Depuis que je suis petite, hein, c'était soit Iris, soit Eleanor, non, soit Marina que je donnais comme prénom tout le temps. Attends, là, c'est par où là? Oh! Attends, peut-être qu'on peut passer comme ça pour aller en bas. Oh, bonjour, Valentina! Elle est trop mignonne. Bonjour, Madame Iris. C'est un plaisir de te rencontrer. Je m'appelle Valentina. Elle est trop mignonne. Par contre, tu sais qu'il pleut. Mais c'est énorme. Ah, c'est où on est arrivé. Attends, on peut y aller? Ah oui, on peut. Mais attends, c'est quoi là, du coup? C'est un hôtel? Bonjour, Suki. Tiens, salut, contente de te revoir. Pourquoi contente de me revoir? Elle m'a jamais vue. Oh non, c'est Alice, ça. Ah, c'est Alice. L'utilisation de notre cuisine est gratuite. C'est inclus dans le prix de la chambre. Les clients peuvent utiliser notre cuisine et tout ce que nous mettons à disposition dans le hall. Mais tu le savais déjà, hein, tu as déjà séjourné dans notre auberge cet été-là. Mais je suis jamais venue! Ah, bonjour! Rage! Rage! Bonjour, je ne crois pas te connaître. Tu viens d'arriver en ville? Oui, bonjour. Mais il y a du monde dans cet hôtel! Attends! Oh, vas-y, je suis jamais à jour. Ah! Elle, on l'avait déjà vue, non?
Ah oui, mais ici. Là, du coup, c'est la chambre à qui? Ah bah. Je sais pas. Ah non, c'est une chambre à personne. Franchement, par contre, c'est trop beau. Là, je sais pas. Là, c'est à Eva qu'on voit. Et la gamme de crayons sur son bureau. C'est la gamme de crayons Faber-Castell, les polychromos. Ah, elles sont allées loin. Donc, range. Là, il n'y a personne. Là, il n'y a personne. Non, mais c'est vraiment le meilleur jeu forever, quoi. Et il n'y a personne. Ok, donc il y a encore pas mal. Très vite, tout le monde. Bon live à tous. Je fais que passer rapidement. Merci beaucoup. Des bisous. Merci d'être passé. Super gentil. Alors, du coup, ici, est-ce qu'il y a quelqu'un? Ah, mais attends, il y a des chambres aussi là. Valentina. Ah, c'est la petite. Alice. Ouais, bon, sa chambre, ça lui va bien. Hein. Suki. C'est qui déjà Suki? Je vois plus qui c'est. Je vois plus qui c'est. Du coup, attends, parce que. C'est trop tard. Je crois qu'il fallait parler encore aux gens. Ok, ça c'est trop mignon. Là, il y a quoi? Welcome. Si on est arrivé. Ah, ça c'est close. C'est fermé. Et du coup, je peux pas parler à la dame? Ah non. D'accord. Je pense qu'à un moment, ça va se rouvrir. Ok. Donc là, on est sur la plage. Ah, ça, c'est ouvert. Plaisir partagé. Moi, oh, merci. Ah! Quoi? Ah, elles sont là. Quoi? Sunny, on ne peut pas lui faire ça. Ce serait exténuant si on lui donnait les deux choses à faire en même temps. Ok, alors c'est parti pour la pêche. Qui n'aime pas pêcher? Peut-être que ce ne serait pas une si mauvaise idée de... Bienvenue, enfin, nos visages, Iris, n'est-ce pas? Du coup, le but du jeu, c'est que tu as des missions tous les jours. Bah, de ce que je comprends, oui. Et puis, derrière, c'est vraiment créer un champ, etc. et gagner de l'argent, je pense. Mais derrière, il doit aussi avoir une autre histoire. Ça se voit qu'il y a autre chose. Jim, Iris est là. C'est un plaisir de te rencontrer. Pourquoi il gueule? Hein? Ah, il est pas content. C'est très agréable de faire enfin ta connaissance, Iris. Viens, assieds-toi. Nous étions en train de discuter de tes cadeaux bienvenus. Ah, merci. Ah bah par contre, je m'assois pas. En... Ok, sympa. Mais ouais, franchement. Si tu préfères rester debout, pas de soucis. Hein. Tu veux garder les jambes musclées, hein. En parlant de muscles de jambes, j'ai l'activité qu'il te faut. Attraper des insectes. Vas-y, assieds-toi, Iris. Elle peut pas s'asseoir? Ah si! Alors, comment ça se passe à la ferme? Alors, rien ne me résiste. Parce que... Je viens de prendre un sème, mais ça n'a pas été signalé. Ah ouais? Attends, je vais aller regarder. Normalement, j'ai les notifs. Non, j'ai pas reçu ton sub. J'ai pas reçu ton sub. Je te promets à l'instant. Je l'ai pas reçu. J'ai rien écrit. Coucou Kainouz, merci pour ton lurk. Comment ça va? Elle doit trouver l'âme sœur, faire 8 enfants, repeupler le village. Enfin, une ville capitale, créer sa nation et dominer le monde. Le tout en moins de 80 heures de jeu. Allez, let's go. Hé hé, hey, voilà, bon esprit. J'allais dire bon appétit, moi. Je te montrerai tout à l'heure. Mais merci beaucoup, hein, Dem, mais t'es trop chou. Mais tu sais que t'étais déjà sub, hein. Enfin, sub, ça marchera peut-être. Ah, Foufi. Tu sais, hein, tu peux offrir un sub, hein, derrière. Ça fait le même truc, hein. Non, j'ai eu de la pub. Bah, pourtant, t'es sub.
T'as le petit louveteau à côté? Ah, je te jure, t'as un petit louveteau. C'est. Peut-être que tu l'as fait trop tôt. D'habitude, tu sais, tu peux le faire l'automatisation. Pas grave, excuse-moi pour les dérangeants. Mais t'inquiète, mais tu me déranges pas. Attends. Des jeunes qui font face à l'adversité, ça me fait beaucoup penser à moi. Tu veux bien trancher la question pour nous, Iris? Quelle est la meilleure activité? Pêcher ou s'amuser à attraper des insectes? C'est Alice qui dérange. Ouais, Alice, par contre. Ah, je rame pas! Hé hé, ma femme et son esprit de compétition. Je dirais attraper des insectes parce que pêcher, je sais pas si c'est compliqué. Sur Stardew Valley, je crois que c'est compliqué. Alors. Merci Indé! Merci beaucoup pour le deuxième mois! Merci! Et ben voilà, ça fonctionne! Merci beaucoup! Par contre, du coup, j'ai eu deux fois deux alertes. C'était stylé à entendre. Hein. Ça peut arriver que de très rares occasions, un sub peut avoir de la pub. Ah, possible, ouais. Je suis toujours choquée de voir ciné fidèle comme toi. Alicia, c'est un monsieur, un des un. Ah, bah voilà. Merci beaucoup. Merci, merci. Ça alors, on dirait que j'ai enfin trouvé quelqu'un d'aussi fan d'insectes que moi. En tout cas, voici notre cadeau de bienvenue. Une canne à pêche et un filet insecte. Mais où est-ce que je vais mettre ça? J'ai plus de place. Tu peux vendre ta prise ou la donner au musée. Ils peuvent en avoir besoin. Ah, c'est en fait, c'est Animal Crossing. Il va y avoir à faire une... avec monsieur... Hibou, non? Comment il s'appelait, là, le hibou, là? Titi pour la collection. Ah, heureux, Osrek. Bonne chance. Merci. Tibou, voilà, Tibou. Merci, Nemo. L'inventaire est plein. Est envoyé à la boîte aux lettres. Ah, ça, c'est pas mal, ça, de savoir. Pour fabriquer, appuie sur ça pour ouvrir le menu. Appuie sur Alt pour ouvrir le menu confection. Ah, bah, j'étais aussi sur mon bouton. Matériaux requis pour A. Profite. Ok. Tu as popoté des oignons? Je crois que j'en ai mis, ouais, chez moi. C'est énorme, hein. Je dis, j'ai planté des oignons, non? Petit bout de chou. C'est bien gentil de ta part d'offrir un seum. Il n'a pas offert un seum. Il s'est re-seum, Alicia. Alicia, sérieux? Eh oh. En fait, moi, du coup, j'ai qui encore à aller voir? Sois des amis. Deviens ami avec des gens du village. En faisant des cadeaux. Quelque chose qu'ils adorent. Comme ta première. Ah, c'est fini, ça. Ça m'a pas dit. Du coup, faire un bouquet de fleurs. Ah! Du coup, c'est là. Et c'est ça. Toute fleur. Faut chercher des fleurs. Comment on sait qu'on peut les prendre? Attends, ça, c'est une fleur. Comment ça, je lis à l'envers? Coucou, mon Kiki! Comment ça va? Oh purée, je me suis encore perdue. Ah, l'insecte. Go l'offrir à quelqu'un d'allergique au pollen. Déjà, il y en a un, il est allergique au pollen. Ça, on le savait. Ça pousse bien, hein, mes petites fleurs. Mes petits oignons et ma petite fleur là. Comment allez-vous? Ça va bien, toi? Du coup, bah, les petites fleurs, on va les mettre là. Alors. Ah, on peut faire là maintenant. Ok. Ah, on peut pas. Pourquoi on ne l'a pas?
Du coup, ça. Ah, je me suis paumée dans mes boutons. Pourquoi je peux pas le prendre? Ah, c'est ça. C'est bon. Attendez, je dois faire des bouquets de fleurs, alors je dois mettre les fleurs. Je crois qu'en fait, il faut que je les fasse moi-même, les fleurs. Et j'en ai, là, j'ai des marguerites. Comment vous allez? Ça va bien, merci. Et toi? Mais ça va très bien, quoi de neuf? Franchement, il est trop bien, ce jeu. On va en remettre. Il y en a encore besoin de deux. Hop. Hop là. Voilà, comme ça. Là, je peux reprendre ma canne à pêche. Ah bah non, je peux pas. Pas de place. Ça, c'est quoi, ça? Ah, est-ce que j'ai un coffre? Parce que ça, c'est le pack d'expédition. Est-ce que j'ai un coffre? Parce qu'on est un peu besoin, là. C'est quoi, ça? Oh là, c'est pas propre, ça. Pas m'aventurer très loin, mais je veux juste... Ah bah si, en fait, je peux passer comme ça. Ah oui, c'est vraiment, c'est énorme, quoi. C'est... Oui, oui. Ok. Du coup, je suis obligée d'attendre. Parce que j'ai toutes mes fleurs à faire. Ça, c'est quoi, ça? Ah, c'est des graines confites. D'accord. Faut aussi les mettre. Donc, il y en a trois. Ici. 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 Aucune idée, ça. En vrai, je peux rien faire. Est-ce que j'ai vu tout le monde en relation? Ah, il m'en manque. Ah, il m'en manque pas mal, hein. J'ai fait. Là, j'ai fait. Non, j'ai pas fait, là. Ranch. Charpentier, j'ai fait. Donc en fait, je suis allée là. C'est la caravane de Ben, ok. Du coup, j'ai la caverne ici. Allez, on va y aller. Je vais pas me perdre, ça va être pas mal. Jour de repos, j'apporte du soutien. Yeah! Trop gentil, merci. Ah, danger. Mais ils sont où, les habitants? J'avais pas dit qu'il y avait des habitants ici. Comment on fait pour aller monter là? En fait, il n'y a personne. Je me suis fait avoir. Ouais, je me suis fait avoir. Ils ont dit qu'il y avait deux habitants, sauf que je peux pas rentrer. Des paix à l'intérieur. D'accord. Je peux pas y aller. Vu la baraque, c'est le chantier chelou qui se dope au champi, qui fait pousser dans sa cave. Ah, par contre, là, il y a un arbre mort. Attends, là, il y a quoi? Pas la peine, ça ne bougera pas. Ok, je crois qu'il faudra mettre des choses dedans pour trois. Par contre, je vais rentrer parce que là, il commence à faire nuit.
passer par là. Ah, les bêtes, elles sont entrées. C'est quoi ça? Ah ouais, les bêtes sont entrées. Hop là, je suis entrée chez moi. J'ai pas un coffre ici. Ça, je peux pas. Ah, stockage. Je peux pas mettre là-dedans. On peut pas. Ça aurait été trop beau. Regardez comment devenir un fermier. Prévision météo. Bonjour, sur Coral Info, votre chaîne d'information et de météo. Les prévisions concernant Coral Island ainsi que les alentours. Le soleil sera de sortie demain, le ciel sera dégagé. Pensez donc à bien vous hydrater. Ok, cool. Comment devenir fermier? Comment devenir fermier avec Jeff Smith? Je m'appelle Jeff Smith et je connais 2-3 petites choses en matière d'agriculture. J'ai grandi à la ferme, alors voici quelques conseils pour vous, fermier en herbe. Je vais vous raconter la première chose que mon paternel m'a dite quand j'ai planté du maïs pour la première fois en 19LXI. Je vais devoir y aller, des bisous, aidez-moi. Merci beaucoup Mandra, des bisous. Bien vous hydrater, les gars, pensez à arroser vos plantes, c'est ça, Audrey. Arrose tes cultures tous les jours, voilà tout. Si vous retenez bien ça, vous devriez vous en sortir les genoux. Mais vous n'avez pas besoin d'arroser vos cultures quand il pleut, compris? Bon, en même temps, il pleut, hein. Bon, bah allez, on va aller dodo parce qu'on n'a rien à faire pour le moment. J'aimerais bien trouver les dernières personnes que j'ai pas dit bonjour. Pour le moment, je gagne absolument aucun argent, hein. Allez, 6 heures. C'est les vrais horaires en plus, hein. Ah, ça y est! J'ai failli péter? Comment je prends? Pourquoi j'ai... Attends, il n'y a pas un truc pour crafter... un truc de stockage? Pour tout type. Il faut avoir des ordures. Il faut avoir du bois. Je pense que j'en ferai un parce que c'est plus possible là, ça m'énerve. Attends. Ok, je vais prendre ce qu'il y a là. Hop là. Ah, c'est la bouffe, ça. On peut pas jeter. Attends. Ah. Ça me fait chier de devoir jeter ça. Vas-y, je vais jeter ça. Il n'y a plus de place, ça en pue. Voilà. Inventaire plein. Ah bah tu en as des ordures dans ton champ à gauche. Comment dire? Je veux créer. J'en ai que 7. Faut que j'en prenne d'autres. Popopo. Là. Ça, je sais pas ce que c'est. Allez, on va crafter. On a besoin. Vas-y, pas vrai. Ça, je jette. Voilà. Et comment je fais pour voir? Attendez, essaye de comprendre mon inventaire. Ah, là.
On va le mettre ici. Non, pas. Là. Voilà. Alors, du coup, ça, on va mettre ça. 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 Et ça, en vrai, ça, on va acheter. Ok, voilà. Et du coup, là... C'est pas fini, ça? Non, c'est pas fini. On est pas loin, hein, par contre. Hein. Par contre, j'ai presque plus d'eau. Est-ce qu'on peut reprendre là? Ah oui, voilà. Cool. Du coup, je vais prendre ça. Découvre le sac de base et possède 20 compartiments en tout. Cela représente 5 compartiments de plus que les ceintures à outils de base transportent en plus et fais en plus. Sans te soucier de quoi que ce soit. Disponible dès maintenant au bazar de Sam pour 500 pièces. Ah bah j'ai pas d'argent. Hein. Ok, cool. Donc ça, c'est en train d'être fait. Ok, du coup, c'est comme ça et ça. Ok. Faire un bouquet de fleurs. Ah, mais j'ai pas fait ça, moi. J'ai oublié, moi. Si, si, c'est des plantes à arroser à droite. J'avais oublié. J'avais trop mal mise, en fait. Du coup, j'oublie. Ouais, mais moi, j'ai pas l'argent, moi. Et puis, je peux pas faire mes petits bouquets de fleurs pour le moment. Attends. Ah, si, je peux en prendre comme ça. Alors, attends, faut que j'en trouve, alors. Je dois trouver 5 fleurs. Bah, je suis pas allée, là, moi. Je suis pas allée. Non, je suis pas allée. Très mignon. Bonjour. Non, mais je... Mini. Oui, Iris. Je voulais te rencontrer, je m'appelle Mini. C'est tellement enthousiasmant de voir des gens emménager. Oh, très gentil. vraiment, c'est magnifique. C'est... Donc ça, c'est la chambre de Mini. Et ça, de Yuri. Ah, son coloc. Peut-être aussi que son sœur. Non, elles sont pas sœurs, elles se ressemblent pas. Yuri, c'est celle... Là, il y en a. Non, elles sont pas sœurs. Je me gourre. C'est trop mignon. Là, c'est où, ça? Attendez, là, je connais pas ici. Oh, ça, c'est beau. Ah, c'est la chambre de Franck. Oh bah, moi je me marie avec Franck, c'est beau. Ah, le garage avec les scooters. Peut-être âme sœur. Avec Yuri? Non, je crois... Attends, ça c'est un truc pour les chats. C'est une chambre pour les chats. C'est vraiment un... Du coup, en fait, Franck il vit tout seul. Je sais pas à quoi il ressemble, mais je me rappelle plus qui c'est, mais c'est... Ah, par contre, il a un garage. On voit le garage. Ah! Vous n'êtes pas les bienvenus ici! Oh là! Oh, ça s'énerve. C'est quoi, ça? Bonjour à tous! Chers habitants de Starlet City, si passionnés. Starlet City, mais on n'est même pas. Tout ce tumulte est inutile. Peut faire fiche n'est pas là pour détruire quoi que ce soit. Ah non, ça va parler de... De Greenpeace, tout ça. Ah, ça par contre, ça c'est trop bien. Il est best. Non, c'est tout le contraire. Nous sommes là pour sauver la vie. Cessez de mentir, madame peut faire fiche. Faire la corpo. On sait tous ce que vous voulez faire ici. Vous pouvez m'appeler Karen.
Pourriez-vous préciser votre pensée, madame? Betty! Betty, c'est la petite mamie, j'aime trop. La marée noire qui a ruiné nos plages l'an dernier, c'était votre faute. Mes vieux yeux ont déjà vu beaucoup trop de vos atrocités. On ne veut pas d'une société de forage ici, madame Pufferfish. Alors arrêtez de débiter votre petit discours et laissez-nous tranquilles. Là, par contre, t'as l'autre, elle fait des photos là. Celle qui veut bâtir un pure state building et un parking. Ouais, c'est ça. C'est la chieuse quoi. Ce n'est pas à vous de décider malheureusement. Mais nous vous comprenons, je vous l'assure. Oui, nous sommes une société de forage pétrolier. Mais les choses ne sont pas toujours aussi manichéennes. Que madame Betty le prétend. On n'a pas besoin de vos sales. Si je peux me permettre, chemise rouge. Manichéen, merci. Si je peux me permettre, chemise rouge. Ah, par contre, chemise rouge, ça me fume. Nous pouvons redonner vie à Coral Island en faisant venir des tonnes de nos travailleurs ici. Une fois que nous aurons transformé le musée en centre de stockage de pétrole, nous étendrons le site de forage au lac et à la plage. Ah non, moi je veux mon musée, moi eh. Voyez où je veux en venir. Je vois des places avec des distributeurs automatiques dans toute la ville, des parcs. Beaucoup de nos travailleurs voudront s'installer dans cette ville mourante. Pufferfish peut aider Coral Island à devenir une magnifique ville pétrolière, voyez-vous. Créant des emplois et attirant nos meilleurs talents. En peu de temps, vous verrez toute cette ville revivre. Imaginez un peu ça, des travailleurs Pufferfish. Partout. Se relaxant sur la jetée, chez Mulfrit, profitant de la vie, quoi. Chemise rouge. Il faut savoir prendre du recul, ok. Regardons les choses en face. Tout le monde se fiche de cette charmante petite île. Laissez-nous vous sauver. Laissez-nous étendre nos opérations ici sur la côte de Coral Island. Cet endroit deviendra une île pétrolière mondialement connue. On va faire parler de vous. Il suffit d'accepter notre offre. Il y en a beaucoup qui veulent pas. Hein. Quand vous parlez d'aide, vous voulez dire forêt partout, c'est ça? Les investisseurs de Pufferfish vont faire de gros profits. Réfléchissez bien. Ces profits vont ruisseler jusqu'à vous. Gardons notre sang-froid, les amis. On ne résoudra rien si on agit sur un coup de tête. Oh bah, je crois que personne ne veut. Hein. Merci de m'accorder votre temps, Madame Karen. Notre porte est toujours ouverte, Monsieur le maire. Ah, pas tous. Eh, t'as moi qui reste, là. Bonjour. Ah, par contre, il y a un truc de golf en plus. Iris, c'est ça? Oh, je vous connais. Enchantée de faire votre connaissance. Ne le prenez pas cet air surpris, vous ne me connaissez pas? Je m'appelle Karen, je fais partie de la société Pufferfish. Iris, cette île est en train de mourir. On le sait tous, ces gens refusent juste de voir la vérité en face. Il vaut mieux essayer d'en tirer une meilleure partie. Ben, peut-être pas, hein. peut-être ça meurt pas aussi, hein. Ok. Eleanor, les insectes ne sont pas les seuls menacés par cette histoire de forage pétrolier près de l'île. Nous sommes tous concernés. On ne peut pas simplement oublier ce qui s'est passé. Oh, il y a un petit chien. Taco. Oh, il est parti dans l'eau. Tu dis bonjour à Taco. Il a des messages et c'est tout ce qui compte. Est-ce qu'on peut les garder? Il y en a une qui va essayer de te recruter. Clairement, je pense sincèrement c'est ce qu'elle veut. Oh, attends, j'ai pas dit bonjour à elle. Emma. Ah si, je l'ai vue ici. Je n'ai pas vu beaucoup d'employés de Poisson Globe dans le coin. Ils préfèrent rester dans leur coin. Attends, là, il y a une fleur. Anne. Oh, elle est trop mignonne. C'est comme dans Stardew avec le ticket du parti. J'ai jamais fait Stardew Valley. Je sais pas du tout, je connais juste un peu de vue. Bonjour étranger. Oh, vous venez d'emménager à la ferme? Bienvenue dans la communauté. Je m'appelle Anne. Anne, c'est le prénom de ma mère. Hop. Ah, oh, il y a quelqu'un qui fait du pain. C'est Eva? Ah oui. Les pâtisseries ici sont fraîchement cuites tous les jours.
Ne t'inquiète pas, Iris, je peux te le garantir car je les prépare moi-même. Wow! C'est trop chou. Hey, coucou! Coucou, Sam! Bienvenue, tu fais tes courses? Non, mais je fais toujours pas mes courses. Attends, du coup, maintenant, c'est qui? Oui, là, il n'y a que Franck. Il n'y a que Sam. Je me cours de prénoms. Oh, c'est infernal. Il y a trop de gens. Il y a trop de prénoms. Ah, Eva, c'était Everest. J'avais oublié. Du coup, là, c'est quoi ça? Les tâches. Ah, cultive-moi quelque chose. Ah oui, mais j'ai pas de carottes pour le moment. Puis déjà, faut que je récolte ma première culture. Alors là, du coup, il y a quelqu'un là. Ah, on peut pas lui parler? Ah, bah non. Là, c'est qui là? Ah, si, Waku. Chim. Je sais pas où elle est, pourquoi. Hein? Si. J'en veux un, j'aime pas le café. Essaye la plage, elle est peut-être en train de s'entraîner. Mais je sais pas qui c'est, moi, Chaim. Ah, c'est ça. Ah, oh, c'est dégueulasse. Oh, elle est là, la petite. Attends, là, je connais pas ici. C'est quoi? Interagir. C'est pas chez Betty. Ah non, pour le moment, je sais pas qui c'est. J'ai pas encore fait la rencontre. Ah, par contre, c'est très mignon. Là, ici, c'est chez qui? Là, ça a l'air d'être sacrément moderne, hein. Pas vraiment. Charles. Charles? Mais comment il faut y voir là? C'est bizarre. Je t'aurais jamais vu être comme ça, c'est pas une chambre là. Si. Il a l'air d'avoir des trucs de muscu. Il manque Alice. Ah, on ne parle pas d'Alice. Elle est canon, hein. Mais vraiment, son caractère, j'aime pas. Oh. Elle m'énerve. Attends, là, c'est un truc de. Ah, si, ça, c'est la clinique, j'ai vu. Oh! Une nouvelle. Ekia. Oh, elle est trop mignonne. Salut, c'est bien toi qui viens de t'installer? Tu visites la ville? Tu as déjà fait un saut à la taverne? Oui. Franck y passe tout son temps. Vous vous êtes rencontrés? Franck. Ah, c'est le Walt derrière le bar. Ah, c'est mon mari. Tu étais au courant? Tu sais quoi? Tu devrais passer à la maison un jour. Ah, c'est son mari. Franck préparera le dîner. Je m'en réjouis d'avance. Tu nous raconteras ton histoire? Bon, elle est mignonne. Elle est trop gentille. Elle m'a vu à déjeuner. Se rapprocher de Charles pour une fermière, peut-être une bonne idée. Bon, à défaut de Caroline. Mais pourquoi je dois me mettre en couple? Hein? Pourquoi? Attends, comment on fait pour aller à la plage? Je me suis paumée. C'est moi, ah mince, mais c'est pas parce qu'il y a un gardien de but que. Oh! Oh, Foufi! Oh là 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 là, ça c'est pas gentil, ça c'est pas normal ça! Comment on fait pour aller à la plage? Oh, c'est quoi ça? C'est ma famille. Mieux vaut ne pas s'imposer. Elle est belle! Un petit pont! Ah! Oh, Fofi, j'avoue. Pas la rêve, va pas encore frapper. Attendez, j'essaye de trouver le chemin pour aller à la plage. Là! C'est là! Ah, attends, il y a quelqu'un qui bronze. Ouais, bah, je peux pas lui parler. Est-ce que je peux tirer? On peut rien faire! Tu veux jouer? Bah oui, mais papa. Ah, Chim! C'est elle! C'est toi qui viens de t'installer, hein? Si tu me laisses tranquille, tout se passera bien entre nous. Ah! Je blague. Je pense pas, mais bon. Théo,
J'imagine que le nouveau voisin n'est pas à son rendre amen comme je l'espérais. Zara. Oh, elle est mignonne. Missou va pas la ref. Comment ça, j'ai pas encore la ref? Charles et Caroline, une famille de fermiers. Ah non, fermier en vie? Vous avez emménagé ici après la marée noire? Je suis Zara. À bientôt. Bon, elle est mignonne. Oh, ouais, je sais pas. Alors, c'est close, mais je peux quand même y aller. C'est concept. Oui, petit chouchou. Ici est une mauvaise nouvelle, Iris. Une très mauvaise nouvelle. Je pense pas avoir été aussi en colère depuis la marée noire. Oui, bon, depuis quelques jours, alors. Attends, toi. Évidemment, le nouvel arrivant est une détestable et dangereuse société de forage pétrolier. C'est pour ça que tu ne fais pas confiance aux étrangers. C'est pour ça, d'ailleurs, que lui, il me fait pas confiance, oui. C'est possible. Ah. Du coup, ça, c'est Sunny. Et là, on sait pas. Du coup, ils ont un enfant, c'est ça? Je vois pas qui c'est, leur enfant. Ah, c'est lui! Olivier! Mon nom? Mon nom est Olivier, pourquoi? Moi, oh, trop mignon. Bah, on a vu l'enfant, ça y est. Ah, parce que du coup, oui, il y a une... Attends. Comment lui, c'est... Oh, Yuri! On se fait habituellement vacciner contre la grippe en hiver ou en printemps, quand on est le plus vulnérable. Moi, je le fais à l'automne pour me préparer pour la saison à venir. Essaye, tu verras comment tu te sens. Est-ce que c'est bien de faire ça avant? Je sais pas. Attends, je vais continuer à passer par là. J'essaye un peu de regarder ce qu'il y a. Ah ouais, vraiment, il y a la marée noire, quoi. Oh! Wataru! Faut pas le planter. Ah non, ça, les mots, ça, j'ai compris. Je ressens là que je dois partir à toutes. Des bisous! Merci beaucoup. Tu veux des conseils en agriculture? Je n'ai jamais travaillé à la terre, je suis un garde de la mer. Sauf avec mes plantes ici, mais jolies. Ben, les ondes de ces poissons globes sont mauvaises, Iris. Pire que mauvaises, maléfiques. Ah bah ça oui, je comprends. Pourtant c'est tellement beau. Et vraiment ce jeu il est très très bien fait par rapport à ça. Vraiment c'est énorme quand même l'endroit. T'as plein d'endroits. Oh! Ça j'y étais pas avant. Reste à moitié à poil sur une plage déserte la nuit. Je sais pas si c'est bien, mais bon, puisqu'elle veut choper la grille. Il y a des persos stylés en vrai. Ouais, vraiment. Wataru. Ah, du coup, oui, donc son fils, il vit tout seul. Waku. Et là, je peux pas y aller. Ouais, ça fait très plage, ouais, très mer. Par contre, il a de la petite bouffe. Là. Je prends ça. Ah, je suis arrivée de l'autre côté de ma ferme. Faut que j'arrive à passer maintenant. Oh là là là, attends. Voilà. Non. Voilà. Comme ça, on peut passer par derrière. C'est pas mal ça. C'est bien. Me cours. Là. Ça, c'est bon. Ça. Ça, ici. Du coup.
là. Ok. Oh purée, c'est loin. Ok. Ok, c'est bon. On va pouvoir prendre les dodos. Non, ça. Voilà. Allez. On va dodo. Il est 22h30. J'avoue. Normalement, il est super sympa ce petit jeu. Mais je connais pas lui. Oui, bonjour, je m'appelle Marc. Je sais déjà qui tu es. Je suis là pour te donner une info importante. La caverne au nord-ouest d'ici est désormais ouverte. Il faut traverser la forêt. Voilà. Prends le chemin à gauche quand tu vois le ranger Jack. Elle était fermée? Oui, elle était fermée et elle est désormais ouverte. Pigé? La bande de sourires s'est occupée des niveaux supérieurs de la caverne. Il n'y a plus de monstres, on peut désormais se promener. Mais ne va pas trop loin non plus, ton râteau ne serait pas d'une grande utilité là-bas. Des monstres? C'est dangereux. C'est tout. Va parler à Kira si tu veux en savoir plus. Moi j'ai fait mon boulot. Quelle perte de temps. C'était qui ce mec? J'ai combien de fleurs? J'en ai 4. Faudrait que j'en ai un peu plus quand même. Comment ça tu vas la frapper? Qui se sent encore maintenant? Oh là 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 là. Les pommes de pin. La fibre. Ok, c'est rangé. Je cherche une dernière plante, une dernière petite fleur, s'il vous plaît. Il manque juste cette petite dernière. Ça, mais c'est de la fibre. Là. Voilà. Je peux retourner chez moi. Les mots, tu te fais engueuler. Tu te fais engueuler comme pas possible. C'est bien la violence. Oh là là. Eh, tu lui dis ça, je te jure, elle va t'engueuler. Elle ne supporte pas la violence, Alicia. Confection, le bouquet de fleurs. Ouais. Équipe-toi de l'objet que tu aimerais donner. Approche-toi du personnage. Pourquoi Alice là devant là? Que tu veux surprendre avec un cadeau. Une fois à côté, appuie sur X pour donner ton cadeau. Répands la joie autour de toi. Je vais le donner à qui? Attendez, il y a qui déjà? J'ai oublié. Dans tous les cas, il y en a encore pas mal hein, que j'ai pas vu. Attends, je vais... Bah Alice, en vrai, elle est pas moche. Hein, Eva, Suki, bah, soit Alice, soit Charles. Choisissez. Docteur ou bah, du coup une lectrice. Qui vous voulez? Alice. Bon bah ça y est, Alice. Avis où déjà?
Emma, pas Alice. Bon, et eh ben puisque vous êtes pas de puisque vous êtes pas d'accord, je vais choisir Charles. Voilà. Donc on va direction le médecin. Voilà. Comme ça, j'avais dit entre un des deux. Vous m'avez dit un de une et l'autre, je sais pas. Et ben voilà. Comme ça, vous allez être contents. Voilà. Allez, on va voir Charles. Tac, c'est ici. Mais c'est fermé. Le médecin de suite. Ça ouvre à 10h. Oh bah ben, franchement. Attends, là, il y a quelqu'un. Lily. Oh, elle est trop mignonne. Oui. Ah, lui, bonjour. Maintenant que le printemps est enfin arrivé, je vais pouvoir recommencer à accueillir des chitei. C'est quoi ça? Alors, c'est des fleurs, mais lesquelles fleurs? Alice, elle est trop mignonne. C'est qui, Emma? Attends. Vous m'avez sorti un prénom, vous? Ah, c'est elle. Moi, pas fan, hein. Moi, pas fan. Des shiitake. Le lantin de comestible shiitake ou encore champignon parfumé est une espèce de champignon basidiomycète de la famille des marasmiaceae. C-A-E. Waouh. C'était quoi ce nom-là? Attends, je... Mais du coup, ici, c'est chez... C'est qui travaille? J'ai oublié. Elle est pas là, en plus. Attends, il y a quoi? Est-ce qu'il y a des nouvelles coupes? Il y a pas l'air d'avoir des nouvelles coupes, hein. T'es encore plus pommie avec la dev. Clairement, Foufi, là, tu m'as perdu. Il y a l'autre fille à la plage aussi qui est pas mal. Il est là. Donnez à Charles. Pardon, mais envoie-moi jeter ça. Allez, j'ai Pauline. Il est allergique au pollen. Ah bah ça va, dégage. Yuri, j'aime pas. Oh, écoute, hein. Hey, c'était gentil, hein. Je te l'avais dit. Mais non, tu m'as pas dit. Et alors, du coup, hey. Voilà, il déteste. Alors, c'est vraiment... En plus, il déteste, hein. C'est pas il aime pas, c'est il déteste. Ouais, ça va, allez. Écoute, je vais quand même déjà donner un cadeau, hein. Qu'il soit content, hein. J'aurais pu ne rien lui donner. Du coup, vraiment, faut que j'attende les cultures, là. Mais les cultures, elles sont super longues. Que tu allais donner à quelqu'un d'allergique. Non, t'as dit le médecin de suite. Tu m'as pas dit, hein. Karen devait être contente que ma mère aille bien. On est toujours inquiet quand maman est trop tendue. Ah bah, c'est sûr. Elle est là, ma copine. Elle est mignonne, elle. Bah, Eva, Everest, je devais aller voir si Betty va bien. Elle était vraiment en pétard lors de la réunion avec Poisson Globe. Ah oui, c'est vrai. Quand tu as eu la quête du bouquet. Au début, quand tu as eu la quête du bouquet. Ah, bah, m'en rappelle pas. Ah bah, Anne. J'ai du mal à imaginer comment sera l'océan une fois qu'ils ont recommencé les forages pétroliers. Nous devons les arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Ça, je comprends. Ah, mais là, je suis jamais passée par là, moi. C'est quoi, ici? Le labo. C'est un... Oh! Surya, ah, c'est lui! Car ça n'annonce rien de bon. C'est lui qui gère ça? Allez, il travaille au labo. C'est trop cool. Ah oui, voilà, il bosse bien. Purée, c'est trop bien. C'est trop bien.
Et du coup, ici, je connaissais pas. C'est quoi ici? Fermeture. Fourniture. Ah bah, ils se ressemblent, hein. Bonjour. Ah bah, on peut pas parler. C'est pour avoir... Ah, c'est les cousins? Non, c'est pas eux? Qui sont parlés, là, les deux. Là, c'est les grandes personnes discuter. Attends, là, c'est quoi, ça? C'est énorme. Attends, c'est une maison? Oh, putain, c'est une maison. Oh. Attends, c'est la maison de qui, là? Je sais pas. Et là? Je sais pas. Mais attends, y a combien de gens qui vivent là-dedans, dans cette ville? Non, là, c'est un manoir. C'est énorme, leur truc. Parce que du coup, où est-ce que je n'ai pas fait? Attendez, j'essaye de trouver les dernières personnes que j'ai pas vues. Là, déjà ici, j'ai pas fait. Si, j'ai pas vu cette maison. Pour une île mourante, il y a des matos quand même. Mais oui, mais... Jim. Je sais plus qui c'est. Théo. Lily. Elle a un peu ses gamers, hein. C'est très mignon. Un labo ultra high-tech, une clinique, un château. Ouais, non, ils ont tout, hein. Ah, ils vivent bien. Purée, qui ne rêverait pas de vivre ici, hein? Attends, ici, il y a quelque chose. On peut passer. Adam Square. C'est quoi? Quelles sont ces fleurs tourbillonnantes? Mais ça va trop loin ce jeu. Ça communique avec toute la ville. Des fleurs de cerisier. Oh là. Là, il y a une maison. Je sais même pas où je suis. Tu es pas assez proche d'Anne. Ah, elle est là. Du coup, elle a un enfant, Anne. Marc. Donc, elle a un enfant, potentiellement. Ah oui, du coup, elle s'occupe des plantes, ouais. Là, il y a une autre maison. Eh, hey, dis donc, on a beaucoup qui vivent assez éloignés, ah, c'est Emma. Fais attention à tes bottes, avec tes bottes, hein. Je n'ai pas envie de repasser la serpillière. Sympa, merci. Ça, c'est propre hein, quand même. Ah, du coup, elle vit toute seule. Oh, par contre, son appart pour qu'elle vive toute seule, il est top, hein. Un écran LED, tout. Elle vit bien. Hein. Du coup, je suis où? Ok, donc c'est quoi ça du coup? Un temple. La maison du maire. Ah, l'école! Il y a des gens dans l'école. Attendez. On va regarder l'école quand il y a réellement du monde. Archie, es-tu vraiment la nouvelle personne? Papa a dit que vous étiez un fermier, c'est vrai? Quel genre d'outil agricole avez-vous? Ah, je vous crois. Ok, je vous crois, mais pourquoi ne ressemblez-vous pas à un fermier? Bah, si, quand même. Oh, Zoé, c'est à toi qu'appartient cette ferme? Je jouais là-bas avant avec mes amis. Ok.
Il y a le prof. Randy. Je m'appelle Randy. Je suis professeur à l'école primaire. Tu t'appelles comment déjà? Je m'appelle Miss Lou. Ouais, oui. C'est trop mignon. Du coup, là, j'ai vu tous les enfants. Parce que je suis une fermière, fils. C'est ça. C'est complètement ça, en plus, hein. Du coup, maintenant, je suis où, moi? Oh là, mais je suis super loin. Ah oui, du coup, maintenant, je vois tout le monde. Mais là, vraiment, ouais, il y a des... Il y a encore pas mal de personnes. Attends, du coup, je vais repasser par là. Oh, monsieur. Voilà. Si elle allait à l'endroit. J'aimerais bien débloquer tout le monde. Non, c'est pas ici. Si, j'ai vu tout le monde. Ouais, j'ai vu tout le monde. C'est un peu plus en bas. Bon, est-ce que vous aimez bien pour le moment? Ah, là, on peut potentiellement rentrer. C'est qui? C'est Anne. Ah, on peut rentrer. On va pouvoir voir un peu l'endroit. Tiens, il y a quelqu'un ici. Reina. Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu es là pour nous aider, Iris? Absolument pas. Je suis là juste pour regarder un peu tes affaires, voir un peu ce que je peux faire pour que tu ne fasses rien. Voilà, ça c'est mon objectif. Employé uniquement. Je vais devenir employé pour y aller dedans. Pour péter tout le truc. Reina de Valo. Non, c'est R-A-I-N-A pour là. Donc non, c'est pas personne de Valo. Mais ça aurait été beau. Du coup, il me manque... Il manque encore quelques personnes. Ici... Non, c'est encore plus en bas. Ah là là, je me reconnais, c'est avec les animaux. Par contre, j'aimerais bien gagner un peu d'argent quand même, au bout d'un moment. Ce serait pas mal. Ah, c'est prêt. Ah oui, ça y est. On fera ça de... Hop. On va aller dodo. Bien écoutez, il hein, y a des points. Ah, t'as aussi tous les animaux à débloquer. Ok. Eh bien écoutez, c'était trop cool. Vraiment, je survalide le jeu. Très très bon jeu, très bon gameplay, une belle petite pépite. Du coup, je remettrai la rediff sur YouTube, comme ça au moins vous pourrez avoir toutes les rediffs. Mais c'était super sympa, être fauché comme des blés pour une fermière, ça peut paraître mal engagé, mais bon, c'est que le début. Est-ce que vous avez bien aimé? J'avoue, il a l'air vraiment cool. Le jeu est complet. Je pense que ça peut durer longtemps sans s'ennuyer. C'est clair.
C'est clair. Alice a pas atteint... Alicia ne nous a pas arrêté de nous embêter. Mais non, Alicia elle est toute gentille. Et Alice aussi. Du coup, nous, on se retrouve demain à 19h sur du Anno 1800. Ça va être cool, on va pouvoir reprendre. Et puis voilà. On va raid une personne qui joue également au même jeu que nous. Je sais pas où elle en est. Du coup, Mr. Kane, désolée. Je finis le live là. Hop. Slash raid. Hop. Bonsoir, au revoir. Ouais, désolée. Mais du coup, on se retrouve demain. Mr. Kane, est-ce que tu veux jouer à Anno 1800 demain à 19h? Dis-moi. Dis-moi avant. Sinon, bien, je t'écris un MP pour savoir. D'ailleurs, je joue à Valo jeudi soir. Foufi, ça t'intéresse ou pas? Est-ce que Foufi, ça t'intéresse? Pour qu'on puisse y jouer ensemble ou quelque chose, hein? Bon allez. Des bisous, prenez soin de vous.